Salut les amis, c'est Serge. Salut les loulous, c'est Kono. On se retrouve pour un nouvel épisode de TOTK. Et oui, nous y voilà. Et il pleut dans la tour. C'est ça. J'y ai des fuites dans cette tour. Prua, elle a pas fait son taf comme il faut. Bah parce que c'était ouvert d'en haut. Ça l'était pas encore. Oui. Quelqu'un qui a tiré la chasse là à gauche. Tout de suite, quel glamour tu fais. Bah écoute, on s'amuse comme on peut. Hein. J'avoue que, pour le moment, le jeu n'est pas palpitant. Mais après, on fait tout ce qui est sanctuaire et tour, pour pouvoir se déplacer le plus rapidement possible. Je sais que, voilà, c'est pas très palpitant, on est bien d'accord. Mais il n'empêche que bah va bien falloir trouver un sanctuaire pour récupérer un cœur et pouvoir peut-être commencer une aventure. Qu'en penses-tu? Tiens, il y a un symbole là. Qu'est-ce que ce serait ça? C'est une pierre tombale? Ouais, moi je dirais bien pierre tombale. Ouais, pierre tombale, c'est une des dernières. Ok. Ouais, c'est une pierre tombale. T'as un sanctuaire là-bas sur ta droite. J'ai vu. Toute voile dehors, un sanctuaire à tribord. Là-bas aussi. Ouais. C'est bien que c'est pas la tour rouge. Tout ok, je vois ce que c'est. Si tu veux marquer le sanctuaire. Je vois vers où c'est en tout cas. Oh, des orages. Et un sanctuaire à côté de la tour. Ouais. On va aller à la tour d'abord. Oui, bah oui, c'est mieux. Ça te permettra d'avoir la zone. De quoi? Je te voyais regarder en le penchant. On aime le brouillard du matin. Parce qu'il voit pas grand-chose. C'est ça. C'est brouillard et pluie. Ouais. Oula. Là-bas, il y a un relais. Regarde, il y a un monsieur, là. Il y a un inox. Hein. Qui dort. Un inox noir. Et en plus, il pleut. Merveilleuse météo. Ah, il va pleuvoir pendant un long moment. Hein. Hyrule se trouve en Bretagne, c'est officiel. On vous aime, les Bretons. Hyrule braise. L'avion arrive. Notre jet périvé, mon chéri. Quel argent? L'argent des abonnés. Ouais, il n'y en a pas beaucoup alors. Ouais, j'avoue, il n'y a pas beaucoup d'argent, je suis d'accord. Il n'y a pas des masses. Ah ah, ça c'est très bien. Ouais, t'as un caillou qui vient de tomber. Mais alors, où est-ce qu'il est? C'est le gros machin là qu'on voit? Mm-hmm. Ok. À tes souhaits. À tes souhaits. Pardon. Je t'en prie. On va vérifier. Ça n'a pas l'air d'être lui. Panneau. Un deuxième panneau. Ça a pas l'air d'être lui, hein, le truc qui est tombé. Si? Bah non. Il a disparu, il a disparu. Il est tombé au-dessus de celui-là. Bah visiblement non. C'est étrange. Tu
peux pas juste, est-ce qu'il a des droits? Oui, il est tombé de l'autre côté, vers la droite. Ce qui est possible aussi. Parce que là, tu vas à gauche, mais bon. Dis celle qui confond sa gauche et sa droite. Et pour une fois, je me suis pas planté. Hein. Oula. Oula. Ouais. Ah, mais c'est tous les inox qu'il y a dans le coin. Et il est bleu, celui-là. Il paraît que c'est le machin qui est là-haut. Oh, piré. Possible. Suite des monts, j'ai miné. Mm. Tu as miné? Qu'est-ce que tu as miné? J'ai miné un inox. Non, là, sinon, c'est le inox qui va me miner la tronche. On est très loin d'être suffisamment équipé pour affronter un inox. Ouais, je n'en doute pas, je n'en doute pas. Genre vraiment. Bah en même temps, comme on fait que de l'explo pour l'instant, c'est sûr que tu t'es pas penché sur le stuff ni quoi que ce soit. Et en même temps, tu veux faire comment pour faire du stuff? Tu peux pas craft dans ce jeu. Non, c'est pas celui-là. Bah alors, on a du mal à grimper. Je vais me balancer un caillou, je vais me prendre le karma. Il y aura marqué karma dessus. J'avoue, il y aurait marqué karma. Je suis bien d'accord. Ah, tu te diriges de l'autre côté. En même temps, si je vais tout droit, ça va être compliqué. Bonjour. Attends, t'as des éclaireurs, mais c'est les moblins qui sont en train de se faire un gigot qui me repère. C'est le Serac! Il va bouffer notre gigot! Attrapez-le! J'aime bien. Ils ont des tonneaux d'explosifs. C'est pour la sauce. C'est pour la marinade. Ils aiment bien quand ça... Quand c'est bien relevé. Quand ça explose bien en bouche. Ouh. Ouais, les Yvelandes sont vraiment proches du sommet ici. C'est ça. C'était mes dernières flèches, hein, pour ton caca. Hein. J'adore, c'était les dernières flèches pour ton caca. Ben oui. Eh ben écoute, tu te feras des flèches. Ou tu achèteras des flèches. Il n'y a pas de craft dans le jeu, je peux pas créer des flèches. Eh ben tu achèteras des flèches. Mais quel argent? Tu gagnes pas d'argent dans ce jeu. Tu te démerdes. Ouais, bah tu vas prendre la manette et tu vas le faire, ça continue. Je suis pas fan des jeux comme ça. J'aime pas les Zelda comme ça. Je suis pas du tout friante. Tu crois que je suis fan, moi? Aïe! Excuse-moi. C'est pas grave, c'est ta chaise. J'aurais mieux fait de mettre ma jambe ailleurs, t'inquiète pas. Mais on est plus du Zelda en 3, en 2D, quoi, en fait. Non, mais même en 3D, j'aime bien, mais pas en open world. J'ai hâte, c'est la petite aventure de Zelda au mois de septembre. Because of Wisdom. Ouais. C'est une météorite. Il y a peut-être un corogo en dessous. Putain, mais il pleut tout le temps ici, c'est vraiment la Bretagne. Tu vas arrêter de parler de la Bretagne comme ça? Oui, monsieur Dark Sasuke. Dark Sasuke juvénile. Ouais, c'est Butters, quoi. C'est ça. Mémé. Mémé. Nous avons retrouvé le doubleur officiel de Butters, mémé. Je suis loin d'avoir autant de talent. Ben oui. La forme qui recouvre. Mais tu es doué quand même. Moi.
Ça froid quand même. Va falloir graisser tout ça. On a rayé le mur. Alors ensuite. Ah. T'as une plaque. Faut peut-être prendre les autres pour éviter de te casser la gueule, non? Non, mais on va en mettre une au centre. Alors maintenant, pourquoi une au centre? Comme ça, tu le fous mieux des rails. Hein? Ça, tu tombes pas. Est-ce que maintenant tu roules? Enfin, tu glisses, pardon, excusez-moi. À la limite, j'aurais peut-être même dû en mettre 3. Pourquoi? Parce que là, le truc, c'est qu'elle peut quand même basculer. Bonjour. Bonjour, le coffre. T'as bien fait de revenir. Ah, c'est bien ça. C'est très bien. Il y a qu'en Bretagne qu'on peut trouver ça. T'as vu, j'ai une épée plateforme. Oui. Mais encore. Maintenant, voyons voir comment ça va se faire. Que ça passe. Et attention parce qu'il va falloir que tu sautes, hein. Non, elles sont pas assez espacées. Parce que tu vois, t'as un moment où t'en as plusieurs. Non, faut vraiment que je les mette au bord. Normalement, là, ça devrait le faire. Cette fois-ci, t'as des projets pour te propulser. Ouais. Ça a du mal.
Ouf. Ouf, 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 ouf. T'es que là, je suis pas assez sûr que je pourrais sauter et aller. Écoute, c'est comme tu veux, hein. Bon, alors... Il y a la grande descente. Le Cérac dans un parc d'attractions. Link dans son parc d'attractions. Allez, les bras en l'air. Oui. Sérieusement, quoi. Des vrais gosses. Bah écoute, hein. Pour une fois qu'il y a un truc excitant. Soit un adulte quand tu le dois, soit un enfant quand tu le peux. Voilà. Exactement. Voilà, vraie leçon de vie, les gens. Eh oui. Tiens, si vous pouvez vous amuser comme un enfant, faites-le. Par contre, si vous devez assumer des responsabilités ou être mature, eh ben soyez-le. Voilà. Profitez quand vous pouvez, soyez sérieux quand vous le devez. Bah écoute, maintenant on va chercher la tour. Eh oui. Bon, elle est pas très loin, ça va. Ouais, la suivante, elle sera pas loin non plus. C'est ça. Il n'y aura pas trop loin à y aller. Il faut un concert. Ouais. I'm on a highway to hell. Je ne vous entends pas. T'as tué le gobelin. Ouais. Tu es beaucoup blanc. Et on va mettre le feu ce soir. Wow. Ah bah, vu la flotte, ça risque pas. Un puits. Madame qui aime les puits se retrouverait-elle ici? Ah. Ça begouille. Hein. The puits. À l'aide. Plouf. Il est où? Il est plus haut. Je parie. Ou plus loin. Ah oui, il y a plus loin. Ah. Des Jupiter. Une fleur de bombe. Non, ça, on a passé une fleur bombe. Bonjour. Oh. Bah ouais, je suis là pour t'aider, qu'est-ce que tu veux? Alors lui, il vient tellement de zéro. Tous les PNJ qui sont à E0, ils ont leur nom qui finit en E. E-H, tu vois. Tu imagines le gars, il est en prison, il voit un gars. Ouais. Alors, où est-ce que... Hein, où est-ce que serait, du coup, l'entrée? Ah, t'as des chauves-souris qui sont partis de là. Donc ça veut dire que l'entrée doit être là. Si t'as des chauves-souris qui viennent, c'est que l'entrée elle est quelque part. Voilà. Nouveau. Site des hauteurs des peuliers. D'accord. T'allais dire peuplier. Hein. Oui, 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 exact. Oh, des champis qui éclairent. Champis lumos. Quand vous avez besoin de briller en société. C'est pas grand chose. C'est beau. C'est de la thune. Non, se faire du pognon dans Breath of the Wild et TOTK, c'est vraiment pas évident. Le moyen le plus efficace, c'est de vendre. Ah bah lui, il a piqué. Ouais, c'est là qu'étaient les 50 balles. C'est ça. Donc comme je disais, le moyen le plus efficace reste encore de vendre les pierres précieuses. Bah ouais. Mais le problème, c'est que vous pouvez pas en choper facilement au début. Tiens, tiens. J'ai plus de flèches. Une autre technique. Putain.
Ah. Il est où l'abruti ? Et arrête de bouger ! T'es chiant ! C'est pas possible, hein, comme ça. Je sais pas ce que ça fait, ces trucs-là. Je sais pas non plus. J'imagine qu'il doit y avoir un PNJ quelque part. Qui doit les demander. Alors, pour y aller ici, tu peux accéder au coffre et tu le pousses pour le... sur le l'interrupteur. Bah oui. Voilà. Tu vois, c'était débile, mais j'aime bien ce genre de ligne, mais con, tu vois. Tu pourrais retourner dans le puits pour revenir à la tour. Je peux même me faire du sang. C'est pas fou. Ça aurait été stylé que je repop direct dans la tour. Mais... Et j'avoue. Et je savais pas où c'était. Et ça se trouve, c'est même pas possible. Tiens, le voilà. Vu que tu l'as aidé, hop, c'est bon. Ta tour, elle est à nouveau complète. Tu vas pouvoir y aller. Quand j'entends ce genre de musique, ça me fait penser à Will Wacker au début, quand Link est dans le tonneau. Et qu'il le catapulte à la forteresse. Ça me fait toujours crever de rire ce passage. Link il dit tout va bien, tout d'un coup c'est. Hein ? Alors qu'il est déjà dedans ! Tu sais, faut pas chercher. Faut pas chercher. Tranquille, t'inquiète, tout va bien se passer, on va bien viser, tu vas te retrouver dans la fenêtre, c'est nickel. Et en fait ils ont visé 2 mètres à gauche quoi. Bon, on va à la prochaine tour, c'est ça? Et elle est où là? Oh, il y a une étoile. T'as vu, il y a un tourbillon? Ouais. Prochaine tour, elle est là-bas. Ouais. Bon, c'est le désert. Et la tour est là, visiblement. T'as plus de balise. Redescends, t'es dans le ciel là. D'être un méchant ou un roi. Je sais pas, mais en tout cas ça ressemble pas à un mode d'arcor. Tiens, t'as des sanctuaires. Et ouais, nous allons au sanctuaire. 1, 2, 3. Attention à la chute. Ok, je, des ruines. Je vois où on est. On est au pied du plateau du Prélude. Tu vois le plateau du Prélude ? Il est là. Il y a un Wizrobe. C'est con, j'ai plus de flèche. Un marchand qui pourrait te vendre des flèches. C'est une Gerudo surtout.
Dehors, ça. Oignon. Ce sanctuaire dissipe le mal ancestral. Je reviens, je vais aller voir le chien. Ok. Celui-là, il était easy. Il était facile. C'est re-moi. Bon, il a tout mangé. Eh ben, c'est très bien. Il a tout mangé. Il est posé tranquillement en bas. En plus, il fait frais, donc... Ah bah, c'est encore mieux. Il est bien. Wow. Tu peux t'en servir de tremplin? Non. Par contre, les amis, oui. Boing. Bah ouais. Par contre, qu'est-ce qui se passe si on essaie de faire du surf dessus? Est-ce qu'on bondit nous-mêmes? Justement, c'est ce que je te disais. Tu peux te servir de tremplin? Boing. Oui, il faut savoir que les bruits de ressort, ça la fait rire. Mais eux. Ah, c'est pas possible celui-là. Tu vois? Et après, il change. Oh, il est peut-être en cooldown. Non, oui, non, on a niqué le bumper en fait. Ah, ça y est, il est bugué. Ah, il est pas bugué, c'est que ça consomme en fait. Ah. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste, franchement. Ça marche qu'une fois. Ouais. Je trouve qu'il devrait, tu vois, genre se rétracter avec un cooldown pour pas que tu puisses en abuser. En fait, ça y est, on l'a niqué. Et oui. C'est terrible. C'est naze. C'est nul. Tiens, une tour, je vois. Ah bah tiens, il y a un caillou qui est tombé. Tellement de sanctuaires par ici. Bah ouais. Alors, tu vas aller où? Là, c'est... Continue. Continue de remonter. Bah, il peut pas aller plus haut. Non, il peut pas aller plus haut. On va à la tour en priorité. Depuis la tour, on peut très facilement accéder au sanctuaire. Bah, il y en a un juste à côté. Ouais. Donc c'est bien, t'en auras un juste à côté. Mais c'est surtout que la tour, en fait, elle est au milieu d'un camp de mobs. Mmh. Ah. T'es sûr que c'est des ennemis et pas un village qui s'est mis autour? Non. Non, 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 c'est des ennemis, ça. C'est clairement des ennemis, ça. Bah écoute, le dessus est fermé. Tu peux pas y aller par au-dessus.
La la la. Au revoir les ennemis. Au revoir les ennemis, hein. Regarde, ils font une bouffe et tout. Ah, vite. Tu sais, là, je vois quelqu'un qui sort. Putain, on l'a pas vu. Le Serac Ninja. Nous l'avons loupé. Comment a-t-il fait pour passer? Bah, il a volé. Voilà, il vole. Il nous a volé. Eh oui. Il vous a volé votre précieux tour. Il nous a volé notre précieux steak. Non, tour, pas steak. Non, mais c'est lui le steak. Ah. C'est lui que le steak. Hop. Alors ensuite, où est-ce que tu vas? Bah, tour suivante. Et elle est où? Là-bas. Et derrière les nuages. Ouais. Alors le problème, c'est que ça, c'est... comment ça s'appelle déjà cet endroit? Je sais plus, mais... les montagnes juste au-dessus de la vallée Gerudo, c'est froid. Là-haut, là, tu vois. Mmh. C'est hyper froid. Il y a un glyphe là-bas. Ouais. Putain, il t'a repéré de là-haut. Oh, mais t'es sérieux, là? On peut plus voler tranquille. C'est vrai, j'ai plus flèche. J'avais au mis détail. Dirige toi pour l'instant vers la gauche, après tu fais un, voilà, un vol piqué. Il pleut. Pour changer. Oh, une grande fée. Ouais, une grande fée, tiens. Tu peux la marquer comme ça. Ouais, je vais prendre le tampon. Voilà. Sur le bulbe, tu vois. Seal of Quality, Serac Corporation. Sigilink. Voilà. Une plante. La feuille ou... Ouais, moi j'ai la feuille. L'étoile. Ouais. Ok, une étoile. Écoute, c'est pas, pourtant c'est pas des lumières, hein, mais bon. Non, mais elles sont utiles. Oui. Elles sont très utiles. Parce qu'elles améliorent nos vêtements. Mmh. Donc c'est grâce à elles qu'on aura plus de défense. D'accord. Et qu'on aura le bonus de 7 amélioré aussi, je crois. Je ne fais que passer, ne me regardez pas. C'est ça? Mmh. Bon, sinon, pour ceux d'entre vous qui ont l'oreille fine, non, c'est pas vrai, j'ai pas. C'est pas mon ventre, c'est le vôtre. C'est le vôtre. Oh, le Serac, quoi. Le gars, il est sérieux. Comment il sort ça, quoi. C'est là qu'on se dit qu'on aurait mieux fait de mettre les lunettes de soleil. Mabushi! Oh, Mabushi Sugiru! Et ouais, Mabushi Sugiru.
c'est celle du désert qui est ici. Ça va, t'es pas trop loin, entre guillemets. L'hôtel doit être dans le froid. T'es chaud aux cacahuètes, hein, quand même, là. Bah écoute, vu là où on se dirige, bientôt on aura froid aux cacahuètes. Hein. Donc, Prends sur le côté, voilà, prends sur le côté gauche. Des champis piments. Oui. Il y en a un de l'autre côté. C'est un vire au vent en fait. Ouais. Comme ça t'es plus proche du sommet là. Oh. Bonjour, slime blanc. C'est un slime blanc. Ouais. C'est un slime blanc mais il est sale. Hein. Ah. C'est un problème. Comment tu vas faire du coup? Merci. C'est le voisin. Si tu te mets à l'ombre, ça va? Ouais. Ok. Ça va être chaud. Je peux poser un peu là-dessus. Oh, bien. Bien, ouais. Le truc, c'est est-ce qu'on peut genre attendre? Non, on peut pas. Parce que j'aurais bien attendu la nuit, tu vois. Parce que la nuit, du coup, il fait froid. Vu que c'est un désert. Juste en accroupissant. Link, il a des cuisses en adamantium, hein. Non, là par contre, l'ombre ne suffit pas. Là, oui. T'as un petit Lulu. T'as un feu de camp, tu vas peut-être pouvoir faire à manger. Ah, t'as un trou. Profite déjà pour trouver si tu peux faire avec tes. Voilà, mais c'est non, bien. Non, je peux juste ça. Faire cuire des choses. À l'aide. Ouais. Bon, à pas. Ça kick. Mais il a juste besoin d'aide. C'est pas grave. C'est pas grave, il peut attendre. Carrément. Oh, le sérail, quoi. Ah, on est mieux. La raison pour laquelle je me méfie autant, c'est qu'on est à côté de là où il y avait leur repère. Et un voyageur tout seul qui dit à l'aide. Un coup sur deux, c'est un Yeager. Rappelons qu'il se transforme en cocotte quand même. D'accord. T'en rappelles pas? Si, si, la cocotte. La merveilleuse cocotte qui parle et qui te dit ton avenir. Alphos. Ah, ils t'ont repéré. Ouais. Tente de me cracher dessus. C'est ça. Dégueulasse. Ouais, bizarre.
C'est qui dans le... C'est un artisan. Ok. Faut que je le fasse monter, je crois. Oh, c'est ça, déjà. Trouver une chaîne pour l'accrocher pour monter, c'est ça? Faut surtout raccrocher une plateforme à la chaîne. Oui. Y a pas d'autre moyen de monter? Bah si, tu prends tes bras et tu montes. Alors... Voilà. C'est magnifique, comme c'est bien fait. Tu sais, ça la prend sur la gueule. Aïe! Le pauvre, quoi. Lâche pas, hein. Et maintenant, faut que tu mettes des trucs en métal pour te faire descendre. Ouais, contre toi. C'est ça. Et c'est qui pèse lourd, le mec? T'as vu ça? Purée! Mange bien la cantine, hein? Et au-dessus, du coup? Ah, ça y est. Putain, le gars, il pèse deux caisses en métal, quoi. Trois. Non, il en faut trois pour que ça soit plus lourd que lui. Mais... Ah, c'est parce que ça bloque. Comment tu fais? Là, il va redescendre, là. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de choix. Alors, remets bien sur la plateforme de ce côté-là. Parce que le problème, c'est la plateforme en bois. Ouais, tu l'as mis trop... C'est pas grave. Écoute, t'as tous les cubes qui sont partis. C'est pas grave. J'aurais dû en mettre une plus petite. Tu peux monter en ligne droite, Link, s'il te plaît? Non, il a pas envie. Non, j'aime bien faire des zigzags et c'est ça. Il se prépare pour Ninja Warrior version Hyrule. C'est ça. Qui s'appellera donc Giga Warrior. Peut peut-être remettre de là. Hein. C'est haut quand même. Ah. Eh ben on est bien. Eh ben t'as qu'à bouger le cul un peu. Autre méthode pour remonter. En effet, c'est une autre méthode. Solidifier les deux caisses et hop. Oui, mais ça sera pas suffisant. Je sais pas, tu en mets une autre plaque. Mais c'est du bois, j'ai peur que ça passe pas. Ouais. Tu vois. Ouais, il te manque une plaque, enfin il te manque un truc lourd quoi. Et il n'y a plus.
que je pensais faire. Normal comme ça. Pas le choix. Pardon. Tout ce qui est fait, tout ce qui est tombé en bas. De toute façon, ça tenait pas. Sérieux là? Moi je dis ça, j'ai rien, mais il n'y a plus de caisse de métal. Bah non, il n'y en a plus. Parce qu'elles ont cassé. Et puis il est lourd, donc il ne peut plus monter. Pfff, feignasse. Il n'y a pas d'effort. Bon, on va mettre fin à l'épisode parce que là, sinon, ça va durer trop longtemps. Déjà que 80% des gens se sont barrés. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez des pouces bleus, commentez, partagez et abonnez-vous. Ouais, on activera cette putain de tour dans le prochain épisode. Des flèches, j'ai vu. En dessous. Waouh, des flèches. Une flèche. Ouais, t'as au moins une flèche. Allez, gros bisous à vous et à la prochaine. Bouffon. Ciao. Et encore.